Coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci de me suivre sur ma chaîne. Je voulais vous présenter un jeu. Alors, c'est juste 16 cartes, hein. C'est un jeu. C'est un jeu français, hein, donc je suis un peu chauvine, hein, quand même. C'est Nad, en fait, c'est une artiste ésotérique qui est au Puy du Fou. Elle a une boutique. C'est un jeu qui coûte 6 euros plus 2 euros de frais de port. Donc, je veux dire, c'est pas un jeu extrêmement cher quand même. Hein, je veux dire, c'est un paquet de clopes. Voilà, au mieux d'acheter des galas, des machins, et ça permet, mais je pense que voilà, ça lui permet. Et en fait, je suis tombée dessus, et en fait, j'aimais beaucoup les dessins qu'elle faisait, et du coup, je l'ai commandé. J'ai eu la réponse très très vite parce que moi, je suis en France, donc, et le Puy du Fou, c'est à 1 heure à Val d'Oiseau de chez moi, et encore. Ouais, 1 heure, on va dire 1 heure. Donc voilà. Donc je vous invite à y aller, même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, elle s'appelle Nad. Elle a une boutique à Boulpaire. Voilà, je vais mettre dans la barre d'information toutes les. Mais alors, vous allez peut-être pouvoir faire pause. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, elle va pas vouloir faire la mise au point. Voilà. Voilà. Donc, elle est au Puy du Fou. Elle est artiste peintre, portraitiste, créatrice de jeux et de talismans runiques. Elle a l'astro-rune. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Hein, qui est une truc en bois. Et en fait, vous mettez vos runes que vous tirez, etc. Et elle a deux jeux à base de runes aussi. Je ne connais pas les prix, mais voilà, je vais peut-être aller faire un tour à sa boutique. Donc, vous le recevez dans une petite pochette en satin, la noix. Hein, alors, ce sont des cartes assez petites, mais du coup, qui s'emmènent. Alors, j'ai l'oracle bleu, donc, ouais, elles sont même. Moi, elles sont quasiment équivalentes à l'oracle bleu, elles sont carrées, quoi. Donc voilà. Et en fait, j'aimais bien la teneur de la couleur. Et il y a des symboles, voilà, de la cabale, de l'alchimie, de l'astrologie et l'alphabet runique aussi. Alors, je sais pas si vous. Ouais, voilà. Hein, vous voyez. Donc c'est elle qui les fait. Hein. Elles sont assez. Elles sont pas souples, hein. Elles sont assez dures. Donc moi j'aime bien plastifier. Donc vous avez la carte. Avec le conflit. Voilà. Et après, vous avez, voilà, les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle sur vous envers vous. De soi envers vous. Voilà. Et toutes les cartes sont comme ça. Donc là, je les trouve très très belles. Donc elle les a fait en tableau et elle les a fait. Mais moi, je les trouve super jolies. C'est un peu or et blanc. Enfin, non, même pas. Enfin, je sais pas quelle couleur. Je suis nulle à ça. Et voilà. Donc là, vous avez la fête. Voilà, avec les symboles. Voilà. Alors, c'est bien, c'est que c'est des jeux. Moi, en fait, c'est celle-là qui m'a fait kiffer, en fait. Comprenez bien pourquoi, hein? Déjà, moi, j'adore le voyage. Et je trouve qu'elle est superbe. C'est hyper bien. Le regard qu'elle a, la chouette, est très, très bien dessiné, parce que des fois. Et pour 6 euros, je trouvais ça l'argent. Je trouvais ça sympa. Et puis ça permet aussi, ben voilà, aux artistes de se faire connaître, de vivre de leur métier. Elle fait beaucoup de runes en bois, etc. Donc je ne pense. Voilà, là c'est l'amour. J'aime bien. Je la trouve super mignonnette, en fait. Voilà. Et ils sont toutes dans les mêmes tons. Bon, il y a que 16 cartes. Alors, on m'énerve d'avoir le reflet là, parce que si je fais comme ça, on va peut-être avoir moins. Voilà.
Bah, du coup, on voit pas grand-chose. Vous voyez? Terrible, terrible. C'est hyper chiant la lumière dans ma grotte là. Ah, bah là, voilà, là. Je la mets comme ça. Bon, bah, on va faire avec. On va faire avec. Là, c'est la créativité qui est très très belle. C'est vraiment une belle. Et voilà. Et c'est a été fait à partir de ces tableaux. Elle s'appelle Nad. Hein. Voilà. Et elle fait des jeux aussi. Et je pense que voilà, moi qui m'intéresse un peu, j'ai pas de runes, mais c'est un art divinatoire que je vais étudier, pas tout de suite, mais plus tard. Et voilà. Spiritualité, elle est très très belle. Donc voilà, pour 6 euros, voilà, c'est pas. Et toutes les cartes sont comme ça, l'amitié, je les trouve très très beaux. Les chevaux sont tout simplement. Ah là là, ce n'est pas évident. Il ne va pas vouloir faire la mise au point. Voilà, vous voyez pas, mais. C'est vraiment très très dommage en fait de pas avoir. Oh là là. Voilà, ça serait pas mal. Là, voilà. Ils sont simplement magnifiques. Je les trouve très très beaux. Ça, c'est l'amitié. Je trouve que voilà, symboliquement, le cheval. Le travail. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités, les promotions. Voilà. Donc à chaque fois, elle explique derrière la carte. Après, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé en fait de pas avoir d'être un peu plus grand, tant pis, mais que ça soit le cadre et qu'il n'y ait pas le blanc. C'est le seul défaut que je reproche le changement. Chouette. Hein, et là, vous avez les signes runiques. La famille, le loup, hein, qui est magnifique aussi. Enfin, moi, je trouvais ces illustrations magnifiques. La chance. J'aime beaucoup. En fait, j'aime bien la chance parce que il est un peu, on dirait, sur l'eau, sur une chaise. Hein, et avec un trèfle à quatre feuilles. J'aime beaucoup. Un grand pas sur peau de magicien peut-être. Le rêve. Voilà. J'avais pas. En fait, c'est une personne allongée. Je sais pas si vous avez vu. Elle dort peut-être. Elle est le bois dormant. Les quatre piliers, etc. Donc, les projets que j'aime beaucoup, ça fait très chamanique, je trouve. Je sais pas. Le visage du personnage est simplement magnifique, quoi. Voilà les 16 cartes. Voilà. Donc au dos, bon bah voilà, vous avez voilà. Et ça c'est là elle dit que voilà, c'est un tirage qu'on peut faire, un tirage par carte, etc. Elles peuvent aussi offertes séparément, c'est-à-dire si vous avez une personne, voilà, ça peut servir un peu de talisman. En fait, c'est même des talismans, ces cartes, un petit peu. Si énergétiquement, etc., vous y mettez toute votre attention, tout votre amour, vous pouvez offrir à la personne l'énergie en fait de la carte et l'avoir sur vous. Voilà, donc, je trouve ça sympa. Et c'est des cartes un peu qui vous préviennent. Voilà, donc
Mais moi, je l'ai trouvé sympa et c'est un petit jeu, donc c'est pas un truc encombrant. Voilà. Et puis, puis je, enfin, moi, je trouve les illustrations magnifiques. L'argent, enfin, elle est très très belle. Et bon, pour il y a, voilà, le jeu vaut 6 euros, 2 euros de frais d'envoi. Après, c'est France à France. Voilà, elle a un atelier du Beau-Père, c'est marrant, et elle s'appelle Nad. Et je suis tombée par elle par hasard, et du coup, bah voilà, j'ai commandé, et ça fait un petit jeu à pas très très cher qui peut nous aider, voilà, à faire des choses. Et voilà, les cartes sont assez petites, et tournent bien dans la main. On va en tirer une, hein, comme d'hab, quand je fais une review. Et puis une petite pochette, quoi, je trouve ça super sympa. Et il y avait aussi, elles étaient entourées d'un élastique et d'un nœud. Et j'ai trouvé ça très 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 gentil en fait. Voilà. Et en plus, voilà. Donc en fait, l'histoire de ce jeu, en fait, comme la deuxième gagnante du tirage des 100 abonnés habitait au Québec. Je voulais lui faire partager les gourmandises de mon pays. Et si j'avais un petit peu d'argent, en fait, pour lui fournir aussi un jeu de cartes, parce que c'est on reste quand même dans l'ésotérisme, etc. Enfin, voilà. Et du coup, je suis tombée là-dessus. Donc, moi, croyant bien à la synchronicité, donc voilà, elle recevra aussi ce jeu. Voilà, et voilà, et c'est pas loin de chez moi, hein. C'est en Vendée, c'est plus en Loire-Atlantique. Ils font plus, enfin, on passe la Loire quand même, donc c'est mais c'est le Puy du Fou, oui, c'est à 1 heure. Et je vous invite vraiment à visiter, c'est super sympa, c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc on va tirer une petite carte. Alors, tirons une petite carte. On va tirer une carte. Hop. Allez, on va tirer celle-là. Ah, la fête, c'est bien. Donc, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça sera la fête et j'attirerai, voilà, de la bonne énergie, de l'enthousiasme, etc. Grâce au signe. Je la trouve super jolie. Donc, elle est portraitiste. Je ne sais pas si elle fait des portraits dans cette couleur-là, mais franchement, j'aime beaucoup son travail. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. Voilà, donc elle s'appelle Nad et elle fait aussi des runes. Donc voilà, donc moi je vais aller faire un petit tour parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir. Ah si, la portraitiste du Puy du Fou.fr. Donc Nad, donc je vais aller chercher. Voilà. Donc, de toute façon, je mettrai tous ces oh, ces coordonnées dans la barre de description de la vidéo. Donc voilà, donc petite vidéo. Donc je vous invite, voilà, ce sont des créateurs, il faut les soutenir parce que voilà, de ça, ça permet de vivre de leur création et de leur passion. Donc voilà. Donc c'est 16 petites cartes très très sympas. Voilà, qui sont faites par elle, etc. Et qui tiennent en plus dans un petit. Et moi, je l'ai commandé hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense que. Et elle a beaucoup de runes. Et voilà. Et moi, ce qui m'attire, c'est l'astro-rune, en fait. C'est une planche où on pose les runes et tout. Donc, bon. C'est un art divinatoire que je travaillerai plus tard, mais voilà. Chaque chose en son temps. On ne peut pas tout faire tout d'un coup. Donc voilà, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très très bientôt. N'hésitez pas à aller aussi, je brille, mais bon, c'est pas grave, sur ma page Facebook Mirabelle Laporte et pour du partage, pour de la guidance, etc. Voilà. Bisous, bisous, plein de petits bonheurs. Ciao, ciao.